bienvenue dans mon projet secret. Ça fait des mois que je garde ça dans mon cœur, que je prépare. Je vous annonce officiellement c'est quoi mon projet. Bienvenue sur le Why! Carrément pas pris copier-coller de PewDiePie. Attends un petit peu. Last week I asked you. La semaine passée, je vous ai demandé. LS de VAD. Bienvenue sur le VAD! C'est pour ça que j'aime pas le français, man. Dire la même chose en anglais, 4 mots en français, 18 lignes. Welcome! Bienvenue sur ma nouvelle série que je pars, qui n'est pas du tout la même affaire que le côté américain ont fait, c'est-à-dire que PewDiePie a parti. Mais je me sens moins mal à carrément copier-coller l'idée parce que lui, il a copié-collé l'idée pareille de Jax Films. Fait qu'on est quitte à un certain point et je pense aussi que je suis le premier. Je dis ça pas sur parole. Je pense que je suis le premier francophone à faire un subreddit. Parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. J'ai parti un subreddit qui s'appelle r/pros. On est présentement à un subscriber. Et c'est moi. Oh man. Qu'est-ce que c'est un subreddit? Pour ceux qui sont pas au courant, un subreddit, c'est un peu une place où une certaine communauté se regroupe. Tout ce qui existe sur la Terre a un subreddit associé à cela. Là, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux que vous fassiez avec mon subreddit. Le lien en description de r/pros, un subreddit, vous pouvez tout le monde aller ajouter des posts dessus. Tu fais add post, t'écris un titre, tu peux ajouter du texte, mais ce que le monde font le plus souvent, c'est tu vas faire une image, tu vas poster un post avec un titre, comme ça ici, on va mettre au moins, comme ça, tu vas ajouter une image qui peut être n'importe quoi que vous avez créé ou que vous avez trouvé qui peut être drôle. Exemple, ceci, un beau petit meme, et là vous faites publier, et merci, bonsoir, c'est le premier post sur le subreddit, félicitations, il y a un post fait par moi sur mon subreddit. This is fire shit. Mais là, c'est quoi la beauté de ça? C'est que là, vu que je veux créer une communauté, vous allez pouvoir vous décider si vous voulez upvote, qui appelle ça upvote. Si c'est un bon meme que vous trouvez drôle, vous pouvez augmenter. Vous pouvez laisser un commentaire. Lol, trop vrai. Et voilà, comment vous participez dans le subreddit. Est-ce que c'est pas merveilleux? Je sais! Quel concept incroyable! I know the goddamn best YouTuber in the world. J'ai le goût d'avoir de quoi qui va nous faire créer une vraie communauté ensemble dans laquelle vous pouvez participer. Et je pense que c'est la meilleure façon, puis je pense qu'on va vraiment avoir du fun, mais j'ai besoin que vous participiez là-dedans. S'il y a personne qui pose des memes, puis s'il y a personne qui pose n'importe quoi qui serait relié au monde de YouTube, ou de ma chaîne, ou juste au monde en général de YouTube, peu importe, s'il y a rien qui se passe, je vais arrêter la série parce que, ben, il y aura plus de contenu, you know? Fait que mon but, c'est de, à chaque semaine, aller review c'est quoi les top posts qui ont été faits durant la semaine. Puis un peu faire une vidéo comme ça avec vous, on va pouvoir participer ensemble. Puis là, toutes les jeunes plebs comme vous, tu vas sur Google. Tu vas faire meme template. Boom. Tu vas aller voir le premier lien, PacLao. Ça te donne toutes les memes qui existent sur Terre avec des façons faciles de mettre des templates. Tu fais générer et boom, tu peux copier that bit et venir ici and you just gotta come here and wabam. Ça peut être des vidéos que vous faites, ça peut être du contenu original que vous faites, ça peut être des vidéos que j'ai postées, ça peut être vraiment... Ça peut, vous pouvez prendre des screenshots de cette vidéo aussi en ce moment, moi qui fais ça. Et bang! Vous prenez ça, ça devient un code de meme où vous pouvez faire des jokes, peu importe. Tout ce que je veux, c'est qu'on avoir un subreddit où la communauté peut engager ensemble. Et à chaque semaine, ben on fait un petit review de ça, puis j'en parle, puis on a du fun. And that's it, that's all. On va aller voir les beaux petits memes que j'ai faits pour vous montrer que... Je suis capable d'essayer d'en faire moi aussi. Ils sont vraiment trash, ils sont vraiment pas bons. Mais faites juste mieux que moi, ok? C'est vraiment comme, je vous montre la base, je vous montre le 0, ok? 0 sur 10, c'est ce que je fais en ce moment. Quand Pros poste une vidéo et que tu réalises que tu vas attendre 3 semaines pour la prochaine. Plus 2 mois. Ça peut être par rapport à des sujets de vidéos que j'ai faites. Exemple, avoir des bonnes notes à l'école versus avoir 8 heures de sommeil. Je sais pas si quand la dernière fois que j'ai eu 8 heures de sommeil, je pense. I remember the days. Ou ça peut juste être des trucs drôles qui ont même pas rapport à rien. Si ça vous tente juste de partager de quoi de drôle. Exemple, moi qui ferme la fan car il fait trop froid. Le reste du monde dans l'hélicoptère. J'ai trouvé drôle celle-là. J'ai peut-être un humour bizarre. I don't really care. L'université, Rose, les memes.
That's facts. Fait que voyez, c'est pas tant difficile. Parenthèse! Si vous voulez être un modérateur de mon subreddit, envoyez-moi un courriel à l'adresse en ce moment. Dites-moi rapidement pourquoi vous voulez être un modérateur, puis pourquoi je devrais vous choisir vous, rapido presto, juste pour pas que ce soit n'importe quoi. Yo, en passant, pour la semaine prochaine, roastez-moi, man. Ça va être ça, la thématique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous voulez vraiment suivre la thématique, roastez-moi. Ah, je suis prêt à le take, let's go. Moi j'ai hâte, sérieux, moi j'ai vraiment hâte de faire ça. J'espère que ça va être de quoi qui va fonctionner. Passez une bonne journée, I'll catch you soon. S'il vous plaît, allez follow mon Instagram, mon Twitter et YouTube, et activez la cloche de notification. Je vous aime beaucoup, bye, peace.